votre fils. Oui. Nathan. Oui. Est en lieu de sûreté. Oh. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Oh, comment donc? Et à l'heure que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de vous ôter la vie. Pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. De sorte que vous ne sauriez faire un pas, ni à droite, ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je? Mon pauvre sapin. Je ne sais pas, madame. Et voici une étrange affaire. Je tremble pour vous des pieds jusqu'à la tête. Attendez. Non, ce n'est rien. Mais saurais-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine? J'en imagine bien un. Mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Mais Scapin, montre-toi, serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien, madame. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Oh, tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets, je t'appuie ici quand je l'aurai un peu usé. Oh, attendez! Attendez! Voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Pour me sauver? Il faut que vous vous mettiez là-dedans. Là-dedans? Oui. Et que vous vous gardiez de remuer en aucune façon. En aucune façon? Et je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose. De quelque chose? Et vous porterez ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison. Ma maison. Où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer guérir main forte contre la violence. L'invention est folle. À la meilleure du monde, vous allez voir. Tu me perds à l'imposture. À quoi? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Ah, bébé. Allez, mettez-vous bien jusqu'au fond. Allez, madame. Non, mais... Allez. Allez, madame. Et surtout, prenez garde de ne vous point montrer. Et de ne branler pas. Quelque chose qui puisse arriver. Laissez-moi faire, hein. Je serai vos tenirs. Madame! Madame, cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche! Il n'aurait pas davantage de trouver cette Gironde. Et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où elle est. Madame, ne branlez pas! Cadet-dix, je la trouverai, se cacha-t-elle, au centre de la terre. Madame, ne vous montrez pas, cachez-vous bien. Hey, l'homme au sac. Je te vaille un Louis et tu m'enseignes peut-être Madame Gironde. Que moi chercher? Vous cherchez Madame Gironde, monsieur, mais je ne sais pas où elle est. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Moi ne voulant pas grand-chose à elle. Mais seulement pour lui donner un petit regard sur le dos d'une douzaine de coups de bâton et trois ou quatre coups d'épée au travers de son poitrine. Monsieur, ce n'est pas une femme à être traitée de la sorte. Hey. You. Il me semble j'y vois remuer quelque chose dans ce sac. Il y a assurément quelque histoire là-dedans. Moi, l'avoir envie de donner un coup de bâton dans ce sac. Oh, monsieur, gardez-vous-en bien. Hey!
Dis-moi, Lomosac, est-ce que tu es des amis de cette Gérald? Ah oui, monsieur, j'en suis. C'est une femme si douce, si charmante, extraordinaire. Ah, Caddy Dix, tu es de ses amis. À la bonne heure, voilà ce que je te baille. Pour elle. Ah, aïe, 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 monsieur, doucement. Monsieur, ah, vous faites vraiment mal. Là, monsieur, doucement. Monsieur, aïe, 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 aïe. Madame, le voilà parti. Escapade, je n'en puis plus, je suis rouée. Ah, madame, je suis tout mou, je suis tout moulu. Et les épaules me font un mal épouvantable. Mais que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, et les sens bien encore. Mais n'y vous-tu? Ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Ah, tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Bah, madame, cachez-vous, voici une demi-douzaine de soldats. Tout ensemble. Oh, madame, cachez-vous bien, ça va barder. Madame, une armée de soldats tout entière qui avance. Ah, madame, ils sont très nombreux. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, ils sont méchants. Ah, et ils font beaucoup de bruit. Madame, ne bougez plus. Il y en a partout. Ah, avec des sucettes dans les bouches. Madame, silence. Il me semble que j'aperçois l'un d'entre eux qui arrive. Tu m'assassines. Oh.